She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? Écoute, il est 6h30 du matin et on va passer la journée ensemble. Donc là, j'ai préparé, on va sortir. Premier truc qu'on a, j'ai rendez-vous à l'hôtel Grand Boulevard à 8h du matin. Donne-moi juste le temps de m'habiller, on y go, ok? A tout de suite, je vais m'habiller, je vais faire une transition sympa parce que toi, je vais pas pu le faire. Je vais être habillée dans 3, 2, 1. Voilà! J'ai même mis du lip plumer de chez Fenty. Tu sais, le truc qui va gonfler un peu les lèvres. Pourquoi je suis en mode sport? Parce que le premier rendez-vous que j'ai, c'est pour tester à Dynamo à l'hôtel Grand Boulevard. Donc là, je suis habillée sans full Nike. Vraiment full Nike. C'est fou. Et je vais y aller. J'en ai pour 50 minutes de trajet en métro, of course. A tout de suite dans le métro. J'ai fait ma toilette, je me suis changée et je pars prendre mon petit déj avant le deuxième rendez-vous. Attends, par contre, je te montre la chambre qui est trop trop belle. Un petit espace là, café, bureau, bref. Là, t'as ta salle de bain qui est trop trop belle, by the way. Surtout la petite baignoire, j'aime trop ces petits détails. Une terrasse à l'extérieur, j'aime trop le tissu. C'est en lin, je crois. Bref, la meuf. Et là, à la chambre qui ressemble à ça. Franchement, c'est hyper grand, c'est hyper beau. Une belle de vue. J'imagine quand il y a du soleil, ça va être encore plus beau. Et là, t'as le vélo. J'ai fait ce cours là avec Emma. C'est un cours. Attends, je te montre. R&B. Oh, les meilleures chansons. I can't. Genre, juste la musique, ça te motive de ouf. Et puis voilà. Et là, c'est mes affaires. Je vais me changer, descendre, manger. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Du coup, là, on arrive au deuxième rendez-vous de la journée chez JMS, Jean-Marc Fulou, pour découvrir les nouvelles collections. Il y a du bâche, il y a pas mal de marques qu'ils ont. Du coup, on va découvrir toutes les nouvelles collections ensemble. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me rappeler c'était laquelle des portes. C'est la A. Donc go. J'ai trouvé la porte. Bounce. Merci, c'est parti. Ah, il y a des changements depuis. Je suis pas passée. Oh, pas mal de temps. Je vous en ai plus la dernière fois. Juste de l'eau, ça fait un peu. Ouais. Merci, c'est parti. Walking past the ocean with a Danish in her hand. And he was lying by the door. Du coup, on est fini, on choisit pas mal de looks, ça va être hyper cool. On va créer pas mal de contenu, donc j'explique le concept un peu. Donc ça va être du pré, JMF te font, trop trop hâte. Donc là, direction, prochain rendez-vous. On va y arriver les gars. Je me suis rendu compte que j'avais un peu de temps à perdre avant le prochain rendez-vous. Donc je vais partir me trouver un petit Starbucks pour travailler un peu, répondre aux mails, parce que j'ai pas mal de mails. Donc let's go. Oh, she bought that dish too. Give me one hug.
a fright. She said, oh, don't you take me back. J'en ai pour 3 minutes, littéralement 3 minutes pour passer d'un côté à l'autre. Après, il faudra que je prenne le métro pour 40 minutes, mais ça, c'est pas grave. So excited! Oui, les gars, je vous explique ce qui s'est passé entre temps. Quand je suis arrivée, en fait, ils étaient fermés et ils allaient ouvrir dans 45 minutes. Et c'est juste que je n'avais pas 45 minutes. Je ne pouvais pas attendre 45 minutes. J'ai rendez-vous à 15h. Pour ma séance de laser. Donc on part faire la séance de laser et je vais voir après est-ce que je pourrais soit y retourner, soit ils m'envoient directement chez moi les produits pour les tester chez moi. Donc on part faire le laser chez Lazeo, je sais pas si tu connais. Ils ont pas mal de centres sur Paris et dans d'autres villes, Bordeaux, Lille, Lyon, je crois pas mal. Et du coup je fais une collab avec eux où ils m'offrent les séances et du coup derrière je fais des stories et j'en parle. Franchement c'est trop bien pour moi en tout cas, c'est trop bien. En plus la meuf qui me fait le laser est hyper sympa, elle s'appelle Barbara. Donc je crois que j'ai passé à la pâtisserie lui prendre un petit truc. Je suis très contente du résultat, surtout au niveau des bras, bah, les aisselles aussi en vrai, bon, en fait tout. On a fait combien de séances? Une seule, on a fait qu'une séance. Du coup, je me suis rasée avant-hier. J'avais mis de l'huile de coco pour hydrater juste après. Oh, surtout pas. Ah, mais c'est. Faut pas mettre de l'huile parce que sinon ça va cuire. Même si c'est avant-hier. Parce que c'est dans la peau. Ah. Et on va faire des tâches. Ah, je veux pas de tâches. Je vais demander la confirmation, mais. Ok. Je suis conne. Pourquoi j'ai mis de l'huile? Ah, je suis conne. T'es pas conne, c'est pas grave, c'est. Tu savais pas. Ok. Bon, merci pour les gâteaux, mais il fallait pas. Ah, mais non, c'est rien, c'est là, avec plaisir, à tout faire. Je suis dégoûtée, j'ai dû reporter ma séance de laser parce que j'ai mis de l'huile de coco. Stupid. But it's ok, maintenant je le sais, tu le sais. Voilà, évite de faire la même chose que moi. Voilà. Barbara était hyper cute, hyper sympa, donc elle m'a reprogrammé une autre séance mercredi prochain pour donner le temps à ce que ma peau ait plus d'huile. C'est vrai quand tu. Enfin, c'est hyper. Enfin, c'est hydraté quoi, je le sens. Anyways. Donc je suis rentrée pour manger, j'ai préparé un déjeuner, un truc vite fait. Et je vais me remettre au travail, j'ai pas mal de montage à faire. Et j'ai un call avec mon comptable à 17h. Mon déjeuner, oh my god. En fait, c'est pas bon, mais je te jure c'est hyper bon. Who is your friend? I'm Monica. What does he want? I wasn't doing anything. Well, maybe he saw your hand slip briefly from the 10 and 2 o'clock position. Et du coup, c'est quand que je pourrais avoir l'attestation en mars? J'ai noté ça comme ça, j'avais dans la boucle. J'ai tout mis dans le Dropbox. Normalement, tu as tout. Les deux attestations, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envoyé. Il va rester l'autre et on attend. I know we called it quits, but I'm not over it. Close my eyes and fall in love with the way I remember us. Du coup, les gars, ma soirée va continuer à faire du montage et après, je vais dîner et dormir. J'espère. C'est une journée assez calme en vrai, à part le réveil à 6h15. Mais sinon, c'était calme. Voilà.
à la semaine prochaine. Et by the way, la semaine prochaine, j'ai une surprise. Si tu veux connaître la surprise bien avant dimanche, passe sur Insta et TikTok. Voilà. Bye, guys.